Août 1914, la guerre est déclarée. Le 3, nous partons de la gare de Lyon vers 13h30. Le 4, nous arrivons à Clermont-Ferrand vers 6h30. Nous restons une semaine et repartons le 11 de Clermont vers 5h du matin. À Monceau-les-Mines, les femmes nous offrent fleurs, cigares, café, carte postale. Nous arrivons le 12 en Haute-Saône, à Genevrail, vers 2h du matin. Il y a 200 habitants, nous sommes mal logés. Le 15, nous sommes à Ronchamp. Nous sommes bien reçus dans une fonderie. Le 16 août, nous arrivons à Valdoie, en territoire de Belfort. Nous sommes bien logés et bien reçus. Le 27 août, nous partons de Remiremont, embarquement en chemin de fer à 10h du soir. Nous traversons Passavant, Grattery, Dijon, Tonnerre, Sens, Montreux, Fontainebleau. Nous arrivons à Rosny-sous-Bois, Le Bourget, Creil. Nous rencontrons un train de Belges et d'Anglais. Nous arrivons à Saint-Just-en-Chaussée le 29 vers 9h. Nous dormons à Saint-Just. Septembre 1914. Ma chère Gracienne, il paraît que tout marche très bien et que cette guerre ne durera plus longtemps. Fin 1914. Nous sommes à Amblény, dans l'Aisne, dans la maison du docteur agricole. Nous quittons la maison du docteur agricole. Les marmites sont tombées tout à côté. Elles ont tué deux chevaux des dragons. Les marmites, c'est les obus allemands. Nous nous installons à 1 km plus loin, à Saint-Bandry, dans la maison du Manet. Février 1915. Nous quittons la maison du Manet pour Montgobert où la division va au repos. Le 5 février, départ de Montgobert. Arrivons à Artène le soir. Nous logeons chez Madame Chabrol. Le bureau est à l'école et à la mairie. La popote est chez Monsieur Maréchal. Le 27 février, nous quittons Artène pour Noyon, à 6 km de Soissons. Je suis témoin au conseil de guerre dans l'affaire du soldat Bonnet. Il n'est condamné qu'à 2 mois pour ivresse et acquitté pour les outrages et le refus d'obéissance. La maison Turlure, où est installée notre popote. À droite, la maison Sheridan, où je suis logé. Dans le jardin, le père Turlure, la bêche à la main, Madame Turlure assise, le payeur à gauche, quelques officiers et quelques hommes. L'abbé Rochia, aumônier, et derrière lui le lieutenant de gendarmerie, et moi de profil. Sur la fenêtre, notre cuistot accroupi. Sur le parterre, l'inscription suivante en fleurs. Oui. On s'en souviendra, 1914. 27 octobre, je quitte Noyon, nommé à la 2e armée,
comme faisant fonction de payeur adjoint. Je pars pour Paris pendant la journée du 28. Le 29 octobre, j'arrive à Troyes, à la 2e armée. Le 23 novembre, je quitte Troyes pour le secteur 148. Je n'y reste que 8 jours et rentre à Troyes en passant par Paris. Le 3 janvier, je pars pour Noisy-le-Sec, rejoindre la 5e armée. Je passe à Montreuil. Gracienne est malade d'un abcès à la gorge. Elle a beaucoup de fièvre. Le 5 janvier, j'arrive au secteur 139, à Port-à-Binçon, près d'Épernay. Je remplace Coffier. 15 janvier, je pars après dîner en permission. Le 23 janvier, je rentre de permission à Villentardenois, où la division est réunie pour faire des manœuvres. Fin janvier, nous partons pour Cumières, près d'Épernay. Vers le 25, j'apprends que j'ai été nommé payeur adjoint à la date du 16. 8 février, Gracienne vient me voir à Épernay, chez Madame Fachet. Elle repart le 10 après déjeuner. Je n'ai pu passer avec elle que 2 nuits. Le 21, nous partons pour retourner au front. Le 21 février, arrivé à Fismes, logement et bureau dans un château. Mais nous ne restons que 3 jours. Le 24, nous partons l'après-midi pour Braine. Bon cantonnement, logé avec Beaumont. Bureau à l'école, popote chez l'instituteur. 1er juin, jour de l'ascension. Vers 4 heures de l'après-midi, un obus éclate près du bureau. Puis un second et un troisième. Les débris pleuvent autour de nous. Nous nous réfugions à la cave. Le bombardement dure jusqu'après 7 heures. Beaucoup de dégâts en ville. Un obus est tombé chez le photographe et a blessé 6 soldats de l'intendance, dont un meurt 2 jours après. Un obus est tombé à côté de la chambre du payeur sur une petite maison qui s'est effondrée. 3 août 1916. Le payeur part en permission le matin. Dans l'après-midi, nous partons en camionnette pour Nixéville, à 10 km de Verdun. Les hommes de la formation y arrivent le lendemain matin. Le 4, bombardement à coup de 210. Le parc d'artillerie déménage à la hâte. Plusieurs obus tombent à proximité du bureau. La sous-intendance part dans la nuit et va s'installer à 1,5 km dans les champs. Le 14 août, nous quittons Nixéville à 3h30 du matin et arrivons à Rhône au repos vers 10h30. 10 septembre, quittons Rhône pour Granges-le-Comté, près de Clermont en Argonne. Sommes installés dans Colombier. Janvier 1917, nous sommes à Nixéville. Nous y restons jusqu'au 27 février. Il fait très froid. Le 27 février, nous partons au camp des Chênes Clairs. Nous y restons jusqu'au 4 juillet. Nous partons ensuite à Combles, à 5 km de Bar-le-Duc. 7 août, nous sommes à Jouy devant Dombasle. C'est la prise du Mort-Homme. En marchant à Dombasle avec Granet, nous sommes copieusement arrosés de shrapnel, ces obus allemands remplis de billes de plomb. 1er septembre, retournons au repos à Combles. 6 septembre, embarquement pour Villers-Excel,
où nous arrivons le 7 au matin. 4 octobre, Ronchamp, je suis en permission. 2 novembre, Rougemont-le-Château, très bien installé à l'école, puis logé à l'hôtel Villemain. Le 24, nous sommes à Laune, en Haute-Alsace. Nous sommes installés à l'usine. 6 février 1918. Revenons à Rougemont-le-Château. 31 mars. Embarquons à Belfort. Le 1er avril, nous débarquons à Verberie, dans l'Oise. Et nous arrivons à Estrée-Saint-Denis. Le 3 avril, nous sommes à Liancourt. 12 avril, nous sommes toujours dans l'Oise, à Nivillers. Le 13, nous partons à Pisleux-aux-Bois. Le 13, contre-ordre, allons à Croissot, dans la Somme. 2 juin, le général donne l'ordre au service de partir pour Limay. Suis logé dans Belleville-là. Jour suivant, bombardement de Braine. 200 obus de gros calibre tombent sur le village. Pas de blessés, mais beaucoup de dégâts. Un obus est tombé sur le logement de l'instituteur où se trouvait notre popote et le cantonnement des hommes. Heureusement que nous étions sortis. 10 juillet. Nous quittons Limay à 8h du matin. Arrivons à Ville-en-Tardenois vers 2h30. Bureau ou château où nous avions déjà été en janvier. 15 juillet. Nous partons de Ville-en-Tardenois à 00h30. Embarquons à Jonchéry, dans la Marne, vers 9h du matin, le 16. Passons à Épernay. Débarquons à Revigny à 7h du soir. Allons cantonner dans une ferme à 3 km. Le 19, départ après déjeuner. Arrivons à Vaubécourt vers 6h du soir. Village important, mais presque détruit. Je rencontre un soldat du 32e BCP et lui donne une lettre pour Jacques. En allant vers Godtvervelde, à côté de la frontière belge, à 2 km de la queue de vache où nous sommes, je trouve les sergents-majors du 32e BCP dans une maisonnette, leur demande des nouvelles de Jacques et apprend qu'il vient d'être légèrement intoxiqué et conduit au poste de secours à flanc de coteau au Mont des Cats. À 6 heures, je pars en bicyclette pour le voir. Près de Godtvervelde, la chaîne saute. Pendant que j'essaie de réparer, un obus tombe sur ma gauche à quelques centaines de mètres. Je suis obligé de rebrousser chemin. J'irai demain si c'est plus calme. Alfred n'a pas continué son carnet de route. Pour quelle raison ? Mystère. Il est rentré entier de cette guerre. Il a eu la Légion d'honneur en 1930. Alfred était payeur particulier de première classe du service de la trésorerie et des postes des armées. Il avait l'équivalent du grade de commandant. Il est décédé à Montreuil en 1966, à l'âge de 84 ans. L'enfant essuyant ses larmes, mis sur son œil.